Bienvenue, chers téléspectateurs, sur votre chaîne, votre grand programme et cette grande tribune et grande analyse qui s'ouvre aujourd'hui avec beaucoup de thématiques, beaucoup de sujets. Comme vous le savez, l'actualité est fait problème. Il y a le point chaud aussi que nous allons faire essentiellement tour à tour pour décortiquer et prendre les analyses de analystes ici sur ces plateaux, mais notamment de politiques qui pensent et qui réfléchissent à haute voix. Pour ces numéros, plutôt pour ces nouveaux numéros, allais-je dire, il y a beaucoup de sujets. L'investiture en prélude et en gestation du gouvernement souminois à la chambre basse du Parlement, on en parle maintenant. Les voix s'élèvent pour la non-reconduction de Nicolas Kazadi, l'ex-ministre des Finances, désormais, on en parle avec plusieurs préoccupations et entrées à sa gestion. Et puis, on va parler de cette situation ou encore de l'investiture, notamment de la Chambre haute du Parlement, avec le bureau définitif. Et qui est aujourd'hui le bureau d'âge? Quel bureau devra continuer avec son ossature pour conduire et diriger la Chambre haute du Parlement? Salomon Kalonda Di Escadela a rejoint cette grande tribune ou encore cette chambre haute du Parlement après un périple, un moment de maladie. On en parle, c'est tout de suite avec Bosco Mutombo, analyste politique, et aussi Elvis Mouzeme. Et de l'autre côté, il y a essentiellement Omer Biaï, excusez-moi, et parce que le nom d'Omer m'a échappé, j'ai très souvent retenu les noms au lieu des prénoms. Omer Biaï est aussi de la partie qui est analyste libre penseur. Ils sont ici sur ces plateaux avec nous, avec qui nous allons échanger sur les multiples questions. Je m'en vais déjà prendre le point, le premier invité qui est Monsieur Bosco. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour mon frère, bonjour les journalistes, bonjour. Tenez bien les micros s'il vous plaît. Oui, oui. Bonjour mon frère, pour m'avoir invité sur votre plateau, et je salue aussi les co-débatteurs. Ce que je voulais aussi dire est que c'est Bosco Mutombo, je suis le secrétaire national adjoint en charge des communications et médias du camp parti politique dénommé AADC, et aussi AADCA comme étant regroupement politique. Exactement. Merci de vous avoir sur cette Mutombo, je suis le coordonnateur national de la dynamique de soutien à Maman Mata Kassalou. Alors, c'est pourquoi je suis venu ici pour parler des questions concernant notre République. Cela ne m'empêche pas, essentiellement, dans quelques minutes que vous m'avez données, pour dire que moi, personnellement, en tant que Bosco Mutombo, je remercie d'abord le président de la République d'avoir créé un état des droits. Je ne suis pas encore à la présentation. Non, attendez, je voulais dire quelque chose. Je vais vous donner votre temps d'antenne. Il y a la fondation Don Petit Petit. Ok. Vraiment, cette fondation remercie le président de la République. Pourquoi? Parce que ça fait au moins plus de 15 ans. Avec 15 l'ancien ans, promoteur, Petit Petit, oui, qui avait un problème petit. Sur échangeur. Et oui, sur échangeur. On avait ravi... L'occupation par les Chinois. Oui, les Chinois ont occupé là. Et les élèves étaient dans la rue. Plusieurs années, il a gagné le procès. Mais pour qu'on puisse exécuter, il y avait toujours une main noire derrière. Et c'était la main noire politique. Exactement. Et cela, ça a vraiment empêché à ce que les enfants puissent avoir une bonne éducation. Que cela ne tienne. Ce terrain-là, non seulement les bâtiments d'un petit petit aujourd'hui, il a récupéré, mais le terrain est spolué. Mmh. Il y a les généraux, les colonels, ainsi de suite, qui ont occupé là-bas. Ils ont commencé à construire. Ils habitent déjà là-bas. Mais moi, je suis en train de me demander. Une personne, avant d'acheter quelque part, il faut d'abord demander les documents. Si c'est un bourgmestre qui vous a vendu ça, si le gouverneur vous a vendu ça, même comment il peut vendre la parcelle d'autrui? Il faut d'abord respecter la procédure. Nous demandons à ces généraux, nous demandons à toute personne qui a acheté une portion de terre dans la concession des petits petits, de laisser et de quitter. Parce qu'en droit, il y a toujours un principe qui dit
qui construit chez autrui. Construit pour autrui. Construit pour autrui. Merci c'est beaucoup. Fait, comme dépasse là, c'est pourquoi je demande au peuple petit d'entamer une procédure judiciaire contre ces généraux et ces généraux là et ces colonels au niveau de l'électorat militaire et aussi au tribunal militaire pour que ces gens-là puissent être délogés. Merci. Voilà ce que je peux dire. Et sans pour autant tarder, vous savez que les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale est déjà mis en place. Je ne suis pas encore arrivé avec la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bosco. Nous sommes avec vous. Vous allez exactement. Parce que vous n'avez pas aussi respecté mes limites que vous m'avez données. Pas encore. Je me réjouis que vous puissiez vous présenter. Vous l'aviez fait. Et la plus grande chose importante, c'est aussi que vous avez passé le message qui était très capital. Et la communication est passée. Nous allons vous revenir pour plus ample précision dans les différents points. Merci beaucoup. Merci beaucoup, comme vous le saviez, et qui construit chez autrui, construit pour autrui, et nul n'est censé ignorer la loi. Ceux qui sont peut-être en train d'enfreindre la loi sont censés aussi réparer devant les juridictions compétentes. Nous allons revenir avec cette question avec fort détail dans un numéro très spécial. Nous espérons y revenir. Déjà, monsieur Bosco Mutombo s'est présenté. Omer Biaye, exactement. Bonjour à vous. Bonjour monsieur Elvis, et très content d'être encore sur votre plateau. Pas plus que moi, vous êtes devenu un fils maison. Je vous remercie pour cela, et puis toute ma base à vous saluer aussi, parce que je fais un moment, je ne passais pas, et on m'a demandé s'il y avait un embargo. Et vous m'avez écrit, j'ai dit non, ça va dépendre de monsieur Elvis, et puis j'étais aussi malade, vous le savez au moins, et tant que un analyste politique indépendant, libre penseur, je tiens à saluer d'abord ma base de la commune de Makala. Ici, je plaide pour un débat républicain. On doit parler de la République et non des individus. C'est très intéressant. Il plaide pour un débat républicain et dialectique pour l'intérêt national et général. Je vais prendre le docteur Elvis Musée, mais vous êtes cadre de la société civile. Et il n'est pas peut-être impérieux de pouvoir citer le nom de votre structure sociétale, mais vous devriez quand même vous présenter. Bonjour d'abord. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour mes confrères, bonjour mes compatriotes congolais et médiataires. Tout en saluant aussi toute la base du Mont Amba, vous êtes en train de nous suivre en ces moments pour parler de la question de la nation, pour parler de la population et l'intérêt des citoyens congolais. Et je souhaite la bonne chance à l'équipe des Léopards qui va jouer demain, tout en vous félicitant déjà avec... le patriote l'a oublié. Ce que vous avez fait au Sénégal. Et nous compatissons toujours avec nos frères et sœurs de l'Est du pays, malgré les multiples combats que nos vaillants militaires sont en train de mener. Mais il y a quand même quelques têtes qui tombent. Nous sommes toujours ensemble avec vous, partout en RDC, là où il y a l'insécurité, sur les plans sociaux, sur les plans... sur tous les plans, nous sommes avec vous et voilà, nous sommes là pour débattre sur la question de la nation et la République du Congo. Merci beaucoup, le débat est parti, c'est déjà l'ego. Je vais commencer avec Maître Bosco. Vous avez 2 minutes avec cette grande question. L'Assemblée nationale devra s'investir le 10 ou le 11 selon le speaker de la Chambre basse. Est-ce que pensez-vous, au-delà des clivages et des frustrations qui inquiètent l'opinion, ce gouvernement est censé s'investir? Évidemment, ça ne sera pas pour les 10 ou les 11, ça sera pour les 12. Ça sera pour les 12 où il y aura investiture du gouvernement de Madame Judith Souminois. D'ailleurs, je félicite d'abord madame. Je suis la première personne d'intervenir dans le sens que cette fois-ci, que nous puissions avoir une dame à la tête du gouvernement. Parce que depuis le Congo et Congo, depuis qu'on a eu l'indépendance dans ce pays, nous n'avons jamais eu une dame qui est première ministre. Mais aujourd'hui, nous avons maintenant la première ministre. C'est une joie parce que moi, j'avais dit, cela marquera l'histoire de notre pays. Vous comprenez? Et ça marque l'histoire avec le président Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Alors, pour moi, je suis très content, mais bien sûr, il y a eu le gouvernement.
Mais il y a un peu de frustration au sein de l'union sacrée. La classe politique, oui. Et au sein de l'union sacrée, il y a un peu de frustration. Moi-même, j'aurais déjà prédit ça avant. J'ai parlé de Pourquoi l'avoir prédit, oui. Oui, oui, j'avais déjà parlé de ça en disant que si le président de l'union sacrée n'est-il pas attention dans le partage des pouvoirs, ok? Soit le président n'aide pas la première ministre à faire vraiment un bon casting ou bien une bonne distribution en tenant compte des provinces, en tenant compte des regroupements politiques et partis politiques qui sont membres de l'union sacrée, ça va créer une frustration. Alors, cela étant, moi j'avais déjà parlé, mais eh bien, on comprend aussi que on avait quand même à moitié compris. Et aujourd'hui, voilà là où nous sommes, dans les frustrations. En commençant d'abord par notre parti politique AADC, qui est aussi un regroupement politique au sein de l'Union sacrée, dont moi-même je ne parle pas comme étant le secrétaire ou soit cadre au sein d'un parti politique AADC, mais je parle comme étant compatriote en disant que moi je suis vraiment tiqué et découragé. Et mettez d'abord votre avis. Oui, je vais acheter là-bas. Alors, dans le sens que nous sommes membres de l'Union sacrée, nous sommes au pouvoir, mais quand il y a des nominations, quand il y a des postes de responsabilité, notre parti politique est mis à côté. Alors, je me demande, parce que nous ne faisons pas partie du présidium. Et aujourd'hui, là, l'Union sacrée est prise en otage par un groupe d'individus. Par les groupes d'individus qui est maintenant les six personnes-là, qui se distribuent des postes en désordre, en même temps que le président de la République avait leur donné la mission pour mettre tout le monde ensemble, résoudre les problèmes pour tout le monde, pour que chaque parti politique et puis association puisse être à l'aise. Voilà un peu ça où les problèmes. Parlons un peu de cette approche, puisqu'il vous reste 30 secondes. Aujourd'hui, là, même nous nous revendiquons, mais c'est déjà tard, ok? Le gouvernement est déjà là. Et ce gouvernement, c'est le gouvernement de l'Union sacrée. Et les ministres qui sont là sont nommés par l'ordonnance présidentielle. Et le visionnaire de l'Union sacrée, c'est président Félix Tshisekedi. Alors, l'Assemblée nationale, les députés de l'Union sacrée, ils n'ont pas qualité ou pouvoir ou raison, disons, n'ont pas raison de refuser l'investiture du gouvernement soumis. Ce n'est pas un refus, parce que ce qui s'est fait montre à l'opinion, c'est une façon de prouver aussi quand même d'autre part leur mécontentement. Ce n'est pas un refus. Une fois refusé, cela veut dire que vous niez aussi même le président de la République. Parce que quand vous refusez l'investiture, parce que les gens là sont nommés par qui? Par le président de la République. Nous ici à ADC, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas au gouvernement, mais nous soutenons le gouvernement. Et nous sommes pour que le gouvernement soit investi. C'est ce qui a été essentiel. Merci beaucoup. Merci alors, ce que je peux demander aux députés de l'Union sacrée, parce que nous sommes majoritaires, et de l'opposition, même de la société civile ou bien des indépendants, ils doivent toujours accepter à ce que le gouvernement... Il n'y a pas les députés de la société civile, hein, pour votre information. Voilà. Que le gouvernement suminois puisse être investi. C'est ce que nous attendons. Alors, il n'y a plus encore d'autres raisons, mais ceux qui sont filtrés, il y a encore les mandataires qu'on va nommer, il y a encore les ambassades, il y a encore plusieurs postes. Et il faut encore attendre des partages de bulletins. On doit tenir compte maintenant de tout le monde. Voilà ce que je peux dire. C'est pour aussi citer, vous dire ceci. Vital Kamerhe. Rapidement. Vital Kamerhe, comme étant le président de l'Assemblée nationale, il est là. Selon les règlements disent ceci. Lorsque le bureau définitif est déjà mis en place, chaque député doit proposer déjà ou envoyer la liste de ses membres. La liste de ses assistants parlementaires. Okay. Mais jusqu'à présent, le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas encore demandé aux députés d'envoyer. Qu'est-ce que vous attendez? Maintenant, on va investir le gouvernement sans que les députés là puissent avoir les assistants parlementaires. Ça fait un problème. Et ces gens-là, ça fait au moins 5 mois, 6 mois
qui sont toujours à côté de leur... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je demande au président Vital Kamerhe, avec la sagesse qu'il a, avec sa façon de travailler, qu'il puisse un peu penser à résoudre un peu ces flots. Et ça sera une bonne chose. Merci beaucoup. Je pensais que vous allez exactement respecter le minute, sauf que vous êtes parti au-delà. Merci beaucoup, mais vous allez quand même revoir votre temps de débat. Omer Biaï, c'est avec vous que nous allons procéder en secondo. La grande partie, comme venait de dire M. Bosco, et l'Union sacrée, les députés, que sais-je encore. Mais il y a aussi un caucus de gens qui sont aussi dans l'impasse de voir ces gouvernements aujourd'hui être investis. Pourquoi ? Parce que selon eux, c'est un remaniement. La majeure partie des membres sont reconduits. Et qu'est-ce que vous avez comme pensée par rapport à cet aspect ? Merci, Monsieur Elvis, pour la parole pour la deuxième fois. Et je tiens d'abord ici à noter que mon co-débatteur en face, il a d'abord demandé ce qu'il a besoin. Il a pleurniché d'abord. C'est comme si la République était un gâteau à partager entre nous. Et lorsque nous venons en politique, nous venons pour d'abord... Mais pas servir. Pour le partage des butins. C'est ce que j'avais fustigé à l'époque, au moment où les cardinaux... C'était sur ce plateau, exactement. Aussi. Et sur le plateau aussi, je l'avais dit. Et la République démocratique du Congo ne doit pas être considérée comme un gâteau qu'on doit partager, que vous devez partager entre vous. Et il venait tantôt de chuter ici pour dire ça reste les entreprises publiques. C'est comme si, comme vous n'êtes pas dans le gouvernement, vous êtes... Vous devez attendre. Le président est obligé de vous nommer dans les entreprises publiques. Et je ne partage pas cette approche qui est mon co-débatteur en face là. Mais toutefois, moi, je vais dire une chose comme ça. Mes analyses, je l'avais fait dans d'autres plateaux pour dire ceci. L'Union sacrée, nous, à l'époque, moi, personnellement, j'ai conseillé les chefs de l'État ceci. Le présidium de l'Union sacrée devait être requalifié après les élections. Pourquoi ? Parce que si vous regardez la composition de l'Union sacrée en soi, ça a été composé sur des personnalités politiques et sur des postes que les gens occupaient. Comment ça peut être requalifié aussi longtemps que ce sont les postes réservés pour des poids politiques ? Laissez-moi, vous allez comprendre ma pensée. J'avais dit réqualifier, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, M. Mbosso, il était le président de l'Assemblée nationale, les raisons pour laquelle il était nommé, il était là dans le présidium, M. Bemba étant que personnalité politique. Au moment où nous sommes partis aux élections, ça devait être réqualifié par rapport au poids politique. De regarder maintenant qui ont des députés nationaux plus que les autres pour composer ces présidiums de l'Union sacrée. Si vous regardez dans le poids politique, M. Mbosso n'a pas sa place dans le présidium de l'Union sacrée. Là, vous allez être d'accord avec moi. Raison pour laquelle moi-même, j'avais fait une proposition pour dire ceci. Les chefs doivent mettre à côté tous les politiciens. Mettre quelqu'un qui n'est pas politique pour essayer un peu de coordonner cette Union sacrée. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rendre compte, pour avoir... L'équipe de Madame Judith, ça nous a pris plusieurs mois, plus de 5 mois, nous sommes là en train d'attendre au moment où le gouvernement démissionnaire, le ministre, ils étaient quasiment absents dans les bureaux de travail. Ils n'étaient même pas là, ils étaient en train de faire des coambules pour trouver encore de revenir dans la nouvelle équipe de Madame. Raison pour laquelle je l'avais posé. J'avais dit cela au chef de l'État pour essayer un peu d'équilibrer les choses. En ce moment-là, vous allez vous rendre compte que les choses vont essayer un peu de marcher bien. Ici, nous allons encore revivre la même chose que nous avons vécu. Et comme il y a réconduction de certains animateurs, comme il y a aussi composition. Le problème n'allait pas être soulagé. Effectivement, comme il y a aussi composition de bureau définitif du Sénat, nous allons vivre même scène, ce qui est déplorable, ce qui est vraiment déplorable pour le peuple. Une question pour maintenant, vous, bien, rapidement, pour arriver là où vous êtes, monsieur Elvis, regardez un peu ce qui se passe. Monsieur l'informateur qui est Augustin Kabuya, il a fait un travail d'identifier la majorité. Il a fait ce travail-là, il a donné son rapport et la majorité parlementaire a été identifiée.
Et madame aussi Souminois, elle a fait aussi le travail de consulter encore deux autres. Maintenant, regardez ce qui se passe. Au moment où il y a l'ordonnance nommant le gouvernement de madame Judith, monsieur Vital Kamerhe, il se donne encore le luxe de faire quoi? De consulter encore des gens pour dire que c'est moi qui identifie encore la majorité. Ce n'est pas un cadeau. Vous n'avez pas à supplier les gens pour investir le gouvernement parce que vous êtes de l'Union sacrée. Chef de l'État, il a pris son ordonnance. Vous n'avez pas à venir pour commencer à faire des chantages. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Les non, s'il vous plaît, regardez ce qui se passe. Pourquoi encore ce travail-là que M. Vital Kamerhe est en train de faire pour dire que c'est lui qui est en train de demander maintenant aux députés de la majorité parce pour que investir. Les opinions, les avis sont diversifiés au sein de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, il y a au moins Michiki qui a récolté certaines pétitions pour investir, mais il y a d'autres députés qui ne sont pas contents. Et quant à lui qui est le président de la Chambre basse, il a au moins ses travaux, il faut les reconnaître. Mais Monsieur Elvis, Monsieur Willy Michiki, il est un monsieur que j'ai beaucoup d'estime, mais on connaît au moins ce qu'il a fait dans le temps passé. Nous ne sommes pas là pour citer les noms des individus, avancez, mais je vais tout simplement dire ceci. Nous ne pouvons pas à chaque fois refaire le même travail. Nous devons avancer. Et le chef de l'État, lorsqu'il a pris l'ordonnance en nommant ce que le peuple congolais attendait depuis le nouveau gouvernement, vous n'êtes pas là encore pour commencer à faire des chantages avant d'investir, il faut ceci, il faut cela. Parce que si on veut satisfaire tout le monde, on peut aller dans le gouvernement, une équipe de 100, de 200 personnes, et personne, tout le monde ne va pas se retrouver au sein de ces gouvernements. Merci beaucoup, il y a une question, dernière question. Oui. Apaisez-vous un peu, vous êtes là. Vous savez, lorsque les idées sont en train de venir et je ne pense pas, je comprends, oui, voilà. Je comprends, mais je ne pense pas que ce serait comme le monsieur des idées éparpillées. Il faut recadrer toutes les idées. Vous êtes sur les très bons chemins et j'ai totalement aimé votre analyse. Il y a aussi cette question qui taraude. Et quant à tout ce que vous venez de dire, j'ai minutieusement suivi. La faute peut être incombée à qui? Est-ce que à la personne qui a fait cette approche pour le répondre au profil des membres du gouvernement, ou c'est le chef de l'État seul qui a répondu via l'ordonnance à reconduire et à mettre sur pied la composition de ces gouvernements? Mon cher, avant la sortie de cette équipe, il y a eu un travail. Il y a eu le chef de regroupement des partis politiques, ils ont envoyé le nom. C'est sur base de ce nom-là envoyé que le chef de l'État a sélectionné pour trouver une équipe de 54 membres. Il y a une personne, si le nom me revient, je vais au moins vous dire, il est de Maniema. Mais qu'est-ce qu'on est en train de lui reprocher? Parce qu'il est, entre guillemets, il a grandi ici en Kinshasa, il n'a pas les liens directs, c'est comme s'il n'a pas habité à Maniema directement, parce que il vit ici en Kinshasa, on ne veut pas lui reconnaître au moins comme fils ça, du Maniema. Il est un fils du Maniema. C'est ce qui nous dérange beaucoup plus. Nous ne pouvons pas à chaque fois céder aux caprices des politiciens. Parce que ces pays nous appartiennent tous, mon cher ami. Nous ne pouvons pas être là au moment où le social du peuple congolais dégrade jour au jour. Merci et beaucoup. Nous ne pouvons pas accepter qu'un groupe d'individus, de politiciens soient-ils, puisse prendre en otage tout un pays. Raison pour laquelle le chef de l'État doit prendre des décisions. Moi, j'ai toujours dit, le chef doit aimer tout le monde, mais le chef ne doit pas se faire des amis. Parce que des gens-là ne doivent pas se dire qu'ils sont des amis de chef. Chef doit prendre une décision pour dire ce qu'il veut, parce que c'est lui, celle qui sera comptable devant le peuple congolais. Lors 2028, il sera jugé, lui seul et non les autres. Dixit Omer Biaï, c'est avec grand remerciement que nous reconnaissons votre mérite et votre bravoure politique, mais notamment vos analyses aussi pertinentes. On va prendre Elvis Mouzemé, comme je l'avais dit, d'entrée de jeu, cadre de la société civile, qui va départager maintenant les opinions.
Vous venez de suivre vos débatteurs et il y a une question qui taraude l'esprit, c'est ce qui revient toujours. Mais je vais maintenant aller dans l'angle de la sélection des membres du gouvernement et directement avec l'investiture. En suivant ce que vous venez de suivre, est-ce qu'aujourd'hui la composition du gouvernement va répondre réellement aux aspirations et aux attentes de la population? Est-ce que faut-il attendre que ce gouvernement soit investi pour qu'il ne soit pas trop tard? Allez-y. Merci à Monsieur Elvis, merci peuple congolais. Enfin, comme il s'agit d'une question du gouvernement, le gouvernement est là, bien que longtemps attendu, avec de multiples défis à relever, que ce gouvernement doit le faire. Donc, ce gouvernement a beaucoup de défis à relever sur les plans sécuritaires, sur les plans sociaux et machin. Alors, regardez, ici j'ai toujours dit, je reviens, tout part de quelque part. Tout ça, vous allez, je sais que par moment vous allez me dire pourquoi on doit revenir en arrière. Tout ça, c'est la faute à l'équipe Kadima. Non, mais il faut regarder devant. Nous allons, mais nous allons devant, monsieur. C'est comme si on doit rester. Non. Cette question, nous allons pas l'oublier. Mais je vous prie d'avancer, s'il vous plaît. J'avance. L'équipe Kadima, voilà ce que vous nous avez produit. Mais si le journaliste me demande d'avancer, voilà, j'avance. Il faut dire merci à Kadima. Non. C'est un monsieur qu'on ne peut pas remercier. Le gouvernement n'est pas composé par Kadima. Okay. C'est le fruit des élections, des mauvaises élections qu'ils nous ont données. Merci beaucoup. Alors, regardez. Ici, nous parlons la question de ces pays, de cette nation. Nous ne parlons pas la question des individus. Nous ne parlons pas la question des partages, des gâteaux, de quoi que ce soit. Vous allez vous rendre compte que chaque fois, je l'ai toujours dit dans ces plateaux, même dans mes émissions ailleurs, que les politiciens congolais ne sont pas là pour le développement de ces pays. Les preuves sont là. Les preuves sont là, messieurs les journalistes. Le gouvernement composé par XY, les membres des partis politiques. Qu'est-ce que ces gens nous demandent? Qu'est-ce que les gens veulent pour la population congolaise? Ici, il n'y a pas... Les gens ne sont pas en train de se battre pour l'intérêt de cette nation. Les gens sont en train de se battre pour les intérêts égoïstes, pour les intérêts de ces gens qui leur ont demandé d'aller travailler. C'est pas la population qui a demandé à ces gens d'aller travailler. Si c'était la population, aujourd'hui, on serait loin. Nous avons pris combien de temps pour qui est le gouvernement de Mme Judith Suminwa? Nous avons pris combien de temps pour l'investiture? Aujourd'hui, on vous demande qui est l'investisseur parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Mais ces gens sont tentés de nous dire non, voilà, ils relèvent ceci. Parce qu'on n'a pas tenu compte de représentativité sur les plans national, régional, sur les plans ethniques. Géopolitique. Ces gens ont raison ou ont tort? Ben, comme c'est dans la Constitution, nous leur disons. Nous leur disons, nous pouvons concéder ça. Mais aussi, il faut faire un pas en arrière. Mais aussi, il faut voir l'intérêt de la population. La constitution ici a aussi par moment été violée ou par moment a été... on a dégrainé cette constitution. Ceux qui sont là, les membres du gouvernement qui sont là, les ministres, étaient déjà démissionnaires. Quelle a été l'approche du président de la République? Comme il y a beaucoup de défis à relever, il voulait d'abord que ces ministres soient d'abord maintenus parce qu'il y a des problèmes à résoudre. Mais pourquoi sur cette question-là, il y a eu des retards? Mais pourquoi aujourd'hui, par rapport aux intérêts des politiciens, ils regardent la Constitution? Mais si cela va pour l'intérêt de la population, la Constitution est bafouée. Alors, ce que nous demandons, c'est quoi? Par rapport à votre question. Allez-y. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ces députés, si réellement vous avez été élus par la population, si on ne vous avait pas nommé par les manières dont nous connaissons, nous vous demandons qui est l'investisseur de ce gouvernement parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Mais si vous avez été nommé par X ou Y, faites la volonté de X ou Y. Mais d'ici là, c'est un peu congolais. Si son avis était meilleur, il n'y a pas quoi à rejeter. Allez. Moi, je suis société civile, je ne suis pas politicien pour rester radical. Je suis le partenaire direct du gouvernement. Je suis un trait d'union entre le gouvernement et la population. Ça, personne ne va me contredire. Alors, nous demandons aux députés, les honorables députés, nous vous demandons de faire votre travail comme demande la volonté de la population.
l'équipe qui est mise en place. Vous ne les reconnaissez pas être des vrais élus, mais vous les appelez quand même des honorables. Parmi eux, il y a ceux qui ont été élus, et parmi eux, il y a ceux qui n'ont pas été élus. Vous et moi, vous connaissez. Parce que vous le faites encore un pas en arrière. Moi, vous connaissez comment les élections. Vous connaissez comment les élections se sont déroulées. Lorsqu'on nous a privé les macarons pour les témoins, vous pensez. Vous pensez, lorsque l'État dit qu'il va priver les macarons pour les témoins, vous pensez avoir quelle élection, vous pensez avoir quel député. Ne faisons pas un cercle vicié. Ce n'est pas un cercle vicié. Il vous reste 50 secondes. J'ai encore des minutes. Les autres en ont pris 5, plus de 5 même, monsieur les journalistes. Vous avez pris 2 minutes. Alors, nous disons ceci. Nous devons avancer comme vous le demandez. Allez-y, oui. Nous disons ceci. Que le gouvernement soit investi, parce qu'il y a les défis à relever. Nous demandons aux députés, chers honorables députés, ceux qui ont été élus, les vrais élus, de faire la volonté de la population, parce qu'on en a marre avec l'insécurité, avec la situation sociale du peuple congolais. Ceux qui sont reconduits comme ministres, je pense peut-être qu'ils ont fait un bon travail et voilà, ils sont reconduits. Donc, qu'on appellerait ça remaniement, bon, chacun a ses vocabulaires, chacun a sa façon de voir les choses. Nous disons ceci, il y a un nouveau gouvernement qui a pris le temps que ça pouvait prendre et que ce gouvernement soit investi afin que les problèmes des Congolais soient résolus. Parce que nous ne pouvons pas prêter les intentions. Lorsqu'ils ne sont pas encore investis, ils vous diront ça. Merci nous ne sommes pas encore investis, pourquoi vous voulez nous prêter les intentions? Au-delà de allez-y au travail, la population vous attend, le peuple est regardant vers vous suite à cette investiture. Monsieur le président de l'Assemblée nationale. Une dernière, avant que... Allez-y, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Une dernière question. Vous allez faire que 30 secondes. Excusez-moi parce que vous devriez être beaucoup plus concis. Avec cette question, vous parlez ici à ceux-là comme ministres qui ont quand même émergé et bien fait dans leur tâche. C'est-à-dire, ils ont bien mené leur mission. J'aimerais que vous puissiez me citer que 3 ministres reconduits aujourd'hui qui aujourd'hui peuvent paraître dans le majeur pourcentage de ceux-là qui sont aujourd'hui des vrais ministres. Des vrais ministres. Allez. Bon, en tout cas, trois juste. Il y a certains ministres qui ont marqué, les premiers quinquennats du chef de l'État, qui le deuxième quinquennat a beaucoup de défis à relever. Je ne citerai pas vraiment les noms, mais je pense que la fonction publique, ça, bien que ça nous a pas donné ce que nous, les fonctionnaires de l'État, on attendait, mais je pense à un monsieur, étant que société civile, je ne resterai pas radical. Bien que vous n'avez jamais cessé de manifester. Oui, tout à fait logique. Mais il a quand même bien fait. Il a un pourcentage acceptable. Deuxième. Il a un pourcentage acceptable. Si on le donne, voilà, la population vous donne la chance et nous vous demandons. Deuxième, le docteur. Le deuxième. Avancer le deuxième point. Bon, je m'arrête là. Les autres, je sais qu'il y en a beaucoup. Merci beaucoup. C'est avec les autres là, je pense que on va revenir avec vous ou avec cette deuxième note. Je reviens toujours avec vous, Monsieur Bosco Mutombo. Vous êtes, je ne sais pas, mais ici vous représentez uniquement la grande question politique. Vous parlez en tant que libre penseur, analyste politique. Revenons plutôt avec cette question. Salomo Di Escadela rejoint la chambre haute du Parlement. Autrefois critiqué, mais il est aussi pointé être le rapporteur au sein du bureau de cette chambre haute. Et quelle est votre analyse par rapport à l'approche où il est à la fois un opposant appartenant au parti de Moïse Katumbi et aujourd'hui rapprocher le bureau de l'Assemblée, le bureau de la Chambre haute pour qu'il puisse figurer parmi les dirigeants de cette grande directoire du pays. Vous avez la parole. Ok, messieurs les journalistes, je ne sais pas si vous êtes de la société civile. Tenez bien au moins votre micro. Oui, je ne sais pas si vous êtes de la société civile. Comment me porter cette casquette, s'il vous plaît. Sur le plateau, que les débats vraiment n'étaient pas vraiment équilibrés. Non, mais vous avez la parole. Des minutes non données. Mais vous avez eu plus de minutes que moi. Vous avez eu plus de minutes que nous. Votre introduction a pris 2 minutes. Oui, mais mon frère, vous avez eu plus de minutes que nous. Moi d'ailleurs, je réclamais. Vous êtes protégé. Non, non, il n'y a pas d'agitation. Vous dites que nous sommes. Monsieur Plateau, s'il vous plaît, votre introduction n'avait plus pris de 5 minutes. S'il vous plaît, docteur Elvis. Quand vous avez accordé la parole, vous avez dit que s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils ont un problème de tolérance. S'il vous plaît. Non. Soyez tolérant, s'il vous plaît. On y va. Vous êtes protégé. Allez-y. Lui étant l'homme de la société civile,
il doit être quand même tempérant. Mais mon frère, on vous dit que vous avez plus de minutes que nous. Nous ne sommes pas tempérants. Allez-y, allez-y. Évidemment, vous me consommez mes minutes. Ne transformez pas le plateau. Allez-y. Il y a une tribune libre, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, je voulais dire ceci par rapport à la question. Avant tout, je réponds d'abord à mon frère. Allez-y, s'il vous plaît. C'est pourquoi je suis en train de remercier quand même... Et le docteur Marcel Chawanga, que j'aime bien, qui est mon docteur, qui me donne beaucoup un peu de conseils par rapport à ce qui se passe concernant nos jeunes qui se lancent dans la politique. Et vous, si vous êtes jeune. Oui, par rapport aux réflexions. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Alors, je vais dire à notre frère, je pense que j'ai oublié le nom. Omer Biaï. Bon, Omer, voilà, monsieur Omer. Je veux dire ceci, tu as dit que non, et en politique, ce n'est pas un cadeau. Je n'ai pas compris quel cadeau. Il n'y a pas de gâteau. Vous étiez un peu distrait lorsque je faisais mes analyses, disons ça comme ça. Alors, ce que je veux dire, quand tu parles un peu des cadeaux là... Il n'y a pas de gâteau, s'il vous plaît. Je n'ai pas parlé des cadeaux. Partage des gâteaux, partage. Votre analyse allait dans le sens du partage des gâteaux. C'est la raison pour laquelle je dis la République n'est pas un gâteau. Laissez l'invité, s'il vous plaît. Je voulais... Je vais faire un peu... C'est un toilettage technique, oui. Par rapport à ce que notre ami tentait de dire, je vais dire à M. Gomez... Omer, hein? Oui. Monsieur Omer, vous devez savoir une chose. Oui. Nous sommes en politique. En politique, il y a tout ce qu'on appelle les quotas. Vous avez compris? Le pouvoir est distribué. Attendez, le pouvoir est partagé. Ok, comme nous sommes, par exemple, nous sommes membres de l'Union Sacrée. Étant membres de l'Union Sacrée, nous avons des regroupements politiques et aussi nous avons aussi des partis politiques et aussi associations. Ces partis politiques, règlements politiques, fait maintenant la force de l'Union Sacrée. Exactement. Alors, maintenant, ce sont ces gens-là qui vont diriger la République. Et au sein de ces partis politiques, il y a des intellectuels. Avec un mandat qui doit être dans tous les domaines, dans tous les domaines scientifiques, vous allez trouver qu'il y a des économistes, tout le monde là. Et nous sommes là pour diriger. Nous ne sommes pas dans l'Union Sacrée pour applaudir. Ok? Et on partage toujours le pouvoir. Les gâteaux. Les gâteaux, on a de parler, les gâteaux là sont toujours partagés, c'est pas pour un synonyme de pouvoir. S'il vous plaît, laissez-les. C'est comme ça, parce que nous sommes là pour diriger. Et quand vous voyez les partis politiques, chaque parti politique a un projet de société. Vous comprenez? Il doit mettre en place. Maintenant, comment vous allez faire appliquer ça d'autres que vous ne gérez pas? Ça cause un problème. Il faut, vous devez savoir ça. Que non, la République revenue, on partage. Quand on partage aux Congolais, nous sommes. Du pouvoir. Revenons avec la question de Salomon Kalou. C'est bien cadré, merci beaucoup. Il va parle aussi il y a quoi politique, j'ai dit même au président de la République de revoir les présidents, on doit tenir compte du poids politique. Réqualification. Mais, je n'ai pas compris par rapport au poids politique. Poids politique, c'est dans quel. Là, c'est moi qui ai posé la question des poids politiques. Il a parlé des réqualifications. Prenons par exemple la Constitution. Même la Constitution ne parle pas des poids politiques. Si aujourd'hui, le pays n'évolue pas bien par rapport à le pays, mais le présidium de l'Union Sacrée. Le pays n'évolue à cause c'est de ce qu'il a dit. Le pays évolue bien. Mais j'ai dit ceci, j'ai dit, par exemple, à nous maintenant de l'Union Sacrée, par rapport à notre présidium, c'est parce qu'on tient compte toujours des poids politiques. C'est ce qu'il a précisé. Nous avons quatre institutions politiques ou quatre institutions officielles reconnues par la Constitution. Et chaque institution est indépendante. Nous avons institution président de la République. Ça, c'est connu. Nous avons institution parlement. Nous avons institution pour les tribunaux. Et chaque institution est indépendante. Alors, il ne faut pas aujourd'hui faire en sorte que le président de la République, Tshisekedi, puisse devenir un dictateur. Non. Tshisekedi, c'est respectueux des textes. Et il a ses partenaires dont il collabore avec tout le monde. Il ne peut pas entrer dans les prérogatives du gouvernement. Non, de la justice ou de l'Assemblée et ou bien du Parlement. Il faut savoir ça. Les pouvoirs sont partagés ainsi. C'est la Constitution qui a déjà donné les prérogatives de chacune des institutions. Voilà, il ne faut pas faire ce qu'est dit comme étant. Vous avez tellement épousé les minutes. Vous n'avez qu'une minute avec la question de Salomon Kalunda. Par rapport à notre Salomon, mais c'est tout à fait normal, non? Quand on constitue le bureau du Sénat, soit le bureau de l'Assemblée nationale, il y a toujours un quota pour l'opposition. C'est pourquoi vous avez vu que
dans l'Assemblée nationale récemment, vous allez voir que le poste de rapporteur adjoint revient à l'opposition. Maintenant, quand ça revient à l'opposition, lorsqu'on voit maintenant les députés qui sont majoritaires dans l'opposition, c'est les députés de l'ensemble. C'est comme ça que vous allez voir que même l'ensemble a pris ce poste-là de rapporteur. Deuxièmement aussi au niveau du Sénat, ok? Ensemble de Moïse, parmi les sénateurs de l'opposition qui sont là-bas, c'est toujours l'ensemble qui domine. C'est par rapport à ça que dans les quotas de l'ensemble, ils ont désigné M. Salomon pour être là parce qu'il est sénateur. La République ne peut pas être seulement dirigée par le pouvoir. Non, même les opposants. Et quelle perception avez-vous avec voilà, la passion qui a de ce côté-là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà, oui. Merci beaucoup. Si c'est déjà la question ou encore la réponse donnée, je vais revenir avec Omer Biaï avec la même question. Il y a de tractations qui aujourd'hui démontrent plus haut point des relations qui n'est pas au bon point avec le gouvernement en place et l'opposition, parlant de l'ensemble pour la République, qui est aussi un appartenant de l'Assemblée nationale. Mais Omer Biaï, quelle perception avez-vous ou votre analyse par rapport à ce que devra apporter comme pierre à l'édifice concernant les débats au sein de l'hémicycle de la Chambre haute du Parlement, puisque Samuel Kalonda est aujourd'hui pointé à être rapporteur. Merci, monsieur Elvis. Je vais dire mon frère qui est en face. D'abord, il a massacré mon prénom, monsieur Bosco. Moi, c'est Omer. S'il vous plaît, monsieur Bosco. Moi, je prononce quand même bien votre prénom. Je ne massacrerai pas. Et je vais vous demander ceci. C'est parti. Lorsque je dis, vous voulez contredire pour ne rien dire en réalité. Lorsque vous parlez du chef de l'État, s'il vous plaît, lorsque vous parlez du chef de l'État, que de ne pas lui faire un dictateur. Moi, je parlais de l'ordonnance. Qui a nommé, qui a pris l'ordonnance? Ce n'est pas le chef de l'État. Lorsque nous parlons ici partage de gâteau, c'est ce que vous avez fait au début de cette émission. De commencer d'abord à pleurnicher parce qu'il n'y a aucun membre du gouvernement de votre parti politique. On ne pleurniche pas, mais on réclame le droit. J'ai eu le temps quand même de vous écouter. S'il vous plaît, prenez le temps. Je vais d'abord enlever ce que vous avez voulu ici contredire. Vous avez dit quelque chose ici, votre membre n'est pas... C'est comme si... Non, adressez-vous à moi. Effectivement, mais c'est... T'as mieux dire comme ça. Sinon, c'est comme si vous rendez le débat dialectique. C'est comme si c'était une obligation que un membre de sa famille politique puisse se retrouver ici. Non, dans un droit. S'il vous plaît. S'il vous plaît, permettez-moi de faire mes analyses. Vous, vous êtes aussi peu protégé comme lui, s'il vous plaît. Économisons nos temps, s'il vous plaît. Monsieur Elvis, ce n'était pas une obligation. Lorsqu'on a nommé des gens, il faut leur donner la chance de continuer. Même si vous n'êtes pas là pour l'intérêt de la République, vous devez laisser des choses avancer. Et non commencer à dire, coûte que coûte, on devrait y être dans ce gouvernement. C'est là où j'ai dit, et ça n'était pas la route, son analyse au début, lorsqu'il a parlé ainsi. C'était un recadrage. Je ne peux pas demander au chef de l'État de, lorsqu'il parle de poids politique, je ne sais pas, il n'a pas compris ou quoi. Lorsque le poids politique, je parle en termes de députés, lorsque nous sommes partis à l'élection, il y a eu de partis politiques qui ont réussi, par exemple, AFDC, UDPS, consort, il y a nombre de un députés. Bon nombre de députés. C'est par rapport à ça que je parle le poids politique. Si vous n'avez pas compris, voilà un peu les poids politiques dont je parlais. C'est par rapport au nombre de députés de chaque parti politique. C'est bien éclairé. Là, j'espère bien qu'il a compris. Fermez la parenthèse. Je vais dire ceci pour aussi citer. Je pense que la parenthèse est fermée, nous devons passer à la chance. Je vais parler un peu de ces gouvernements avant de citer, de répondre à votre question. Allez-y. Je vais citer un peu trois têtes que moi, personnellement, je trouve que ce sont des gens en paix exceptionnelle. Vous voulez la question, docteur Elvis. Vous voulez la question. Ces gens qui ont marqué le point, allez-y. Et pas marqué dans le quinquennat passé. Non, je parle nouvelle équipe nommée. Il y a trois personnes que j'ai trouvé qu'ils vont faire la différence. Premièrement, il y a monsieur Guy Mouadiavita. C'est un monsieur technocrate, c'est un avocat d'abord. Lorsque vous regardez son parcours,
il a bien fait son chemin. Nous sommes convaincus que M. Mouadi Avita va porter quelque chose dans le ministère de la Défense dont on lui attend beaucoup. Étant un peuple congolais, moi personnellement et toute ma base, nous allons lui accompagner pour réussir sa mission. Deuxième personne, c'est M. Doudou Fouamba, un expert de la finance, mais qui a étudié dans l'école de finance, dans l'école nationale de finance de notre pays. C'est un monsieur qui a gravi les échelons, tous les échelons, au moins d'un administratif de l'État, jusqu'à ce que le chef de l'État trouve bon de lui nommer un ministre de finances. Nous sommes convaincus qu'il fera bien son travail. Troisième personne, pour chuter vite, c'est monsieur Jacques Meshabane. C'est l'homme, moi je lui appelle l'homme des jeudis saints. C'est un monsieur qui a eu l'avantage d'être secrétaire général d'un parti comme l'UDPS. Il a dirigé ses partis, il sait au moins amener la différence dans ces secteurs. S'il vous plaît, pour parler maintenant de ces messieurs, moi je ne comprends pas les acteurs politiques de notre pays. Lorsque vous êtes en prison, vous êtes maladif, et lorsque vous faites par tous les moyens pour obtenir la liberté provisoire, vous avez le pouvoir, dès que vous êtes à l'extérieur, vous devenez actif. Merci. Pour commencer à réclamer, à faire même à venir pour gérer. Je pense que c'est bien. J'en regrette beaucoup. C'est bien exprimé. Je pense. Nous nageons vers la fin du temps de notre antenne, docteur Alvis Mouzémé. Benjamin, s'il vous plaît, accordez-moi 3 minutes de temps que docteur Alvis Mouzémé puisse finir sa pensée. Allez-y rapidement. Merci. Moi, je pense que le gouvernement qui est mis en place, qui sera investi d'ici là, comme nous l'avons dit ici, il y a les défis à relever, nous répétons toujours. Nous voyons sur les plans sécuritaires. Il faut que le gouvernement s'y mette pour s'occuper des militaires qui sont sur le terrain. La diplomatie doit jouer. Les intérêts de la population doivent jouer. Sur les plans sociaux, nous voulons que ce gouvernement puisse nous donner l'eau potable avec l'électricité qui sont des facteurs de développement. Avec ça, nous allons nous développer. On m'a signalé que l'électricité est vraiment stable chez vous. Chez moi, bon, moi je ne plaide pas seulement pour moi, je plaide pour toute la population. Nous insistons. C'est un travail si, nous disons ceci. Si c'est la MR, qu'on pointe encore les doigts pour que les boutons puissent avancer. Oui, nous sommes voyez ces pays. Lorsque tout prisonnier politique. Il faut chuter. Tout doit chercher à aller se faire soigner à l'étranger. Qui ne mettent pas de bonnes conditions dans des hôpitaux ici. Ils mettent pas les médecins, les infirmiers dans de bonnes conditions. S'ils sont en prison, ils cherchent les gens du pays pour aller se faire soigner ailleurs. Lorsqu'on se fait soigner, c'est fini, c'était une voie de sortie, on revient ici, on se dit, voilà, où est partie cette maladie. Mais comment plus, qui deviennent plus sceptiques qu'avant? Non, c'est-à-dire quoi? Nous fritigeons parce que c'est devenu comme une loi dans ces pays. C'est devenu comme une loi, un prisonnier. C'est la chute, merci beaucoup. Et bien, la fin de nous demandons au gouvernement ici d'être vivant, merci de l'avoir suivi. Merci sur le pied pour travailler. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps comme le Bosco. Républicain, non, républicain, monsieur Bosco a eu tout le temps. Je pense que nous allons revenir prochainement. Restez bien chez vous, au revoir. C'était une émission.